Retenez-les! On va avoir besoin de cet équipement! Les retenir! Mais avec quoi? On est là, Franck! Ça. Il manquait plus que ça. Pour ça, les zombies de la zone de restauration sont les pires. Tirons-nous d'ici. Allez! Bon. Il nous faut un abri. Cet hôtel m'a l'air bien. Trois étoiles au mieux. Vous faites toujours l'andouille? J'ai intérêt à bien inspecter l'endroit. Bien. Retrouvez-moi à l'hôtel. Désolé, j'ai eu envie d'un samoussa. Samoussa? Hé! Hé! Venez par ici avant qu'il vous voie! Hé, amenez-vous! J'ai trouvé une plante d'enfer! Il y a d'après rasage, du déodorant et tout ce qu'il faut! Bon! Prenez une arme! J'en ai toute une chier! Il vous reste une chambre? Avec deux lits. Oh, vous êtes fandard! Vous savez, techniquement parlant, vous auriez été notre premier client. Comment ça? Vous êtes pas d'ici, je me trompe? Ce bordel a commencé pendant le Black Friday, le lendemain des grandes soldes pour l'ouverture. Et dire que la galerie était ouverte depuis même pas un jour quand les zombies l'ont détruite. Faut pas rester là. Cette porte mène au couloir de maintenance. Ouais, mais le directeur s'y est enfermé quand il a été mordu. J'essaie de la défoncer depuis un bon moment. Oh, on a des ennuis. Couvrez-moi pendant que j'ouvre cette porte. Nous allons nous défendre. Fasciste! Cible devant, au centre! Occupez-vous-en! Ah!
Les soldats gardaient un truc super secret près de l'entrée principale de la galerie. Mais il y avait une journaliste. Quelle journaliste? La dame du mec. Vic, elle est où maintenant? On va aller au centre de sécurité. On y trouvera peut-être des armes. C'est un bon plan, mais j'y vais seul. Quoi? Écoutez, cette épidémie est très certainement une sorte de test. Et il doit être organisé par ces enfoirés de soldats. Je dois découvrir pourquoi, et j'y arriverai pas si un poulet me tient en laisse. Dis pas ça, vous pensez. Bon, d'accord. Je vais aller en ville et m'intéresser aux opérations. Si vous apprenez un truc, tenez-moi au courant. Ok, si j'en ai le temps. Bon, je me tire. Il y a une milice qui se forme à West Ridge. Je vais les rejoindre et puis encore plus de ces cons. A plus. Bonne chance, West. J'ai eu du bon. Maintenant, il faut un bon scoop de vite. Vic se planque au centre de sécurité. Je découvrirai ce qu'elle sait. Après, je la ferai dégager de cette ville à coups de pied dans le cul.
Des jours. C'est quoi ce bordel? Sympa.
Entrée principale. De la galerie, et d'après Connor, les paramilitaires gardaient l'entrée. Je vais pouvoir aller voir ça de plus près. Oh, no.
peine si je traîne ici trop longtemps. Franck, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vic-Chou a utilisé des termites obscurites pour contourner le blocage des communications. Ouais, je crois que je l'ai vu faire. Elle transfère des espèces de rapports. J'ai trouvé le premier. Je vais vous le lire. Ok, Vic-Chou, premier jour. Oui, la mette est perdue. Épidémie à grande échelle. Il y a des hordes partout. Des milliers, voire des dizaines de milliers de morts. Ces pourritures de paramilitaires ne sont qu'une pièce du puzzle. C'est le gouvernement qui a fait le coup. Et quand je le prouverai, quand je démasquerai ceux qui tirent les ficelles, eh bien, peut-être que je vais convaincre Monsieur Frank West que le journalisme n'est pas qu'une question de gros sous. Ça date bien un mois environ. Merde, il a beaucoup d'avance sur moi. Je vais essayer d'en trouver d'autres. En attendant, regardez si vous ne trouvez pas ce genre de termino. Terminé. Je savais pas que l'association historique des faces de cul était en ville. Qu'est-ce que vous venez de me dire? Eh ben, si la reine Sandra est aussi consanguine qu'elle en a l'air, c'est tout à fait mon type de femme. Ça va se payer. Ta mère était une hyène et ton père sortait des toundras. Hé, hey, ouvrez! Je vais lui donner une leçon, vieux con! Là, ici, la marchandise! Tu sais quoi? Je t'aime pas! Hé, hey, bûcheron en fer blanc, c'est pas moi le méchant dans l'histoire. Pour vous déguiser. Ok, ok, je veux seulement passer. Vous êtes barges, les gars. Tu es là, bordel. Je suis censé être intimidé par des tarés comme vous. Parce que je le suis un peu.
Sois moi le méchant dans l'histoire. Vous n'êtes pas un peu trop vieux pour vous déguiser? Ok, ok, je veux seulement passer! Vous êtes barges, les gars! Mais tuez-le, bordel! Je suis censé être intimidé par des tarés comme vous! Parce que je le suis un peu! Quelques bargeaux. Je peux mieux faire. Normal. Vic avait l'air de penser que l'épidémie a débuté à l'entrée principale de la galerie. Je vais aller jeter un œil. Le Fat Club est fermé! Il se passe un truc énorme. Un instant.